Si Marié au premier regard est une parodie ridicule d'émissions de dating impossible à prendre au sérieux, L'amour est dans le pré est cependant un peu plus crédible en la matière. Depuis son lancement en 2005, le programme d'M6 a fait naître quelques couples mythiques. Parmi les derniers en date, il est difficile de ne pas citer celui formé par Patrice et Justine. Pourtant, si les deux candidats sont toujours ensemble aujourd'hui, plus d'un an après la fin du tournage, leur histoire est loin de faire l'unanimité auprès du public. En cause, certains craignent de voir l'agriculteur se faire manipuler par sa nouvelle compagne. Une défiance à laquelle Karine Le Marchand a elle-même participé par le passé en critiquant la prétendante, mais qu'elle a tenu à contrer cette semaine. Dans des propos repris par Télé Loisirs lors d'une conférence de presse, l'animatrice phare du programme a cette fois-ci tenu à défendre le couple. « Patrice, c'est particulier parce que je pense que sans nous, il n'aurait trouvé personne », a-t-elle assuré face aux journalistes, sous-entendant qu'il ne fallait donc pas se montrer trop exigeant pour lui. « Je ne sais pas si je peux le dire. Patrice n'a pas eu de courrier pendant la saison, il nous a dit qu'il ne voulait pas être seul. » Et d'ajouter, il ne pouvait plus être seul, il lui fallait quelqu'un. Aussi, même si elle comprend les critiques et les craintes autour de ce couple, Karine Le Marchand préfère désormais se concentrer sur le positif, ils sont toujours ensemble. Elle l'a ensuite assuré, je n'ai pas de regrets parce qu'il est sorti de sa solitude et qui sommes-nous pour juger des couples? Karine Le Marchand, adepte du c'est toujours mieux que rien? À voir si ça fonctionne réellement en amour.